Alors, rien de droppé de bien. En rebelle, focus, HP, résistance. Ah, ça se fait ça. Ah, ça c'est pas mal. Falloir que je fasse du tri dans mes guerres, moi. HP, def, précision, bof, tiers. Ça c'est pas mal, on va mettre. Vieux chat dans la gorge. Pam pam pam. Ah mais to thousands.
Putain. Alors, défense, base, base, base. Ah, il y a que des trucs nazes là. Ça peut le faire. Il faudrait que j'ai un item qui soit bien avant quand même. Tac. Ça sera fait naturellement. Ça, c'est très bien. Alors, ça se teste. Résistance HP focus en warrior. Ouais, c'est ça. Yo Shaizu, yo. Ça fait un bail que t'es pas là, toi. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, ça, je garde. Tac. Ça, c'est naze. Ça, c'est naze. Attaque crit rate, ça se tente. Ok. Il y a des mises à jour qui arrivent. Là, il y a des events qui arrivent. Il y a pas mal de choses. Il y a les étages 14 qui sont sortis. Celle-là, elle se tente bien, celle-là. Celle-là, on va la mettre de côté. Celle-là, elle se teste aussi, en vrai. Celle-là aussi. Et les bleus, on s'en fout. Hors crit rate, il y a quoi en attaque pour 100? Merci pour le follow, Jigoink. Et bienvenue sur le stream. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Focus, attaque, résistance, défense. En vrai, celle-là, elle se teste, mais faudrait pas que ça proc trop en attaque. Ou que ça proc que en attaque. Ce serait le top, quoi. Là, il n'y a pas d'HP, c'est dommage. Ça se tente. Attaque crit damage. Ouais. En vrai, il faudrait que je vérifie un peu toutes mes épées. Ça, non.
Crit rate, défense, speed, non. HP, résistance, défense, focus. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'HP en pourcentage, mais bon. Ouais, genre typiquement cet item là. Cet item là va falloir que je le garde de côté. Là aussi en broken set ça passe. J'ai trop d'items. J'ai trop d'items à checker là. Voir s'il y a des choses bien. Ça c'est déjà lock. Focus HP en ward. Ça peut être pas mal, Focus HP en ward. HP crit damage, Focus crit damage. Yo Shishi 2. Yo yo yo. Bienvenue sur le stream. HP focus en divine. Ouais. HP def HP. C'est la même celle-là. À quelque chose près, c'est la même chose quoi. Focus HP, ça on garde pour essayer. Il est bleu, je regarde pas. Mais ouais, va falloir que je fasse du tri dans tout ça. Bon, 7 tours là. 7 tours de mort là. Alors. Tac. Tâche 83, est-ce que c'est toujours buggé? Oui. Comment on passe ça? Parce que la dernière fois, j'ai focus essentiellement. Ouais, non, faudrait que j'arrive à tuer. Où je tue CC, j'ai gagné derrière, mais. Tuer CC avec Sierra, c'est compliqué, quoi. Faudrait que Sierra ne derpe pas sur l'ult et elle est morte. C'est quoi ma team Jimini? Tu fais point d'exclamation Jimini. Regarde, tu vois, hop, je l'ai mise tout à l'heure normalement. Voilà, et là t'as ma team. Je pense que plus tard je mettrai les stats également. Mais avec cette team, tu auto. Il faut que ton Akrin et ton BH tapent avant, tapent après le boss. Si tu n'as pas BH, tu peux mettre Natasia. Si tu as Natasia, tu peux mettre Natasia. Ou Mitasia si t'as le jeu en anglais, bien sûr. Le souci en fait, c'est que tu vois, t'as BH qui pose le totem et qui enlève le malus focus. En fait, il te faut un perso qui enlève malus focus. Dès lors que t'as enlevé le focus, le malus focus, ta team est bien. Sinon, il faut que tu considères tes persos à plus 30 de focus. Parce que le malus focus est de 30. 30 ou 50, mais je crois que c'est 30. Donc tu vois, si tu n'as pas un cleanser pour ça, il te faut juste du soin. Juste du soin et ce sera bon. Rodira, il me semble qu'elle cleanse, mais une seule personne, je crois. Elle et une personne.
Ouais, là j'arriverai pas à tuer CC, je pense, hein. Après, si j'arrive à tuer tout le monde, c'est mieux, mais... Voilà, lui déjà il m'a counter. Faut que je bloque Tia après. Parce que elle va mourir. Elle, je vais lui mettre un gros shoot. Elle va se faire soigner de toute façon par CC, je pense. Voilà, ça c'était sûr. T'as pas senté sa lunaire? Si, j'ai senté sa lunaire, mais je voulais essayer d'y aller en mode bourrin, mais... En fait, à cause du slow que Tia me met, mes persos tapent en deuxième après. Et là, je prends le gel. Et je pense qu'avec 2 DPS, ça peut le faire. Hein. Genre... Genre y aller comme ça. Jouer comme ça peut le faire. Hein. Oui, je sais. Je sais, je sais. Ça casse un peu les reins à cause de ça d'ailleurs, mais bon, on fait avec. Puis je vais lui mettre un truc de focus histoire qu'il puisse hit facilement. Alors je vais y arriver si je fais ça. Ici il me faut des bots speed en focus. Ici il me faut de la speed pour qu'il joue en premier. Ouais non, en fait il me faut même pas ça, il me faut... ça en fait. Là j'ai déjà 132 de focus, si j'enlève ça j'ai toujours 132 de focus. C'est pas mal 132 de focus. 60. 160 moins les 70%, je suis bien. Voilà, on va prendre ça. Tac, ça lui fait pas beaucoup d'HP mais c'est pas grave, il est juste là pour essayer de bloquer là. La CC. Parce que s'il bloque la CC, je peux la tuer. Et elle déjà, elle est full skill, full glyph. Ok, ça va. Yoinkui, yo yo yo. Qu'est-ce que j'ai en speed focus à 15? Ok. Là, je vais rien avoir de bien, quoi. Il va me falloir une amulette direct en focus, en fait. Là, elle est trop lente. Hein. Elle est trop lente, elle a pas de focus. C'est pour ça que je voulais mettre autre chose. Ouais, il me faut une amulette focus. Hein. Il me faut une amulette focus. Bah, ça va et toi? J'en ai pas en guard. Si, j'en ai en guard. Je vais pas pouvoir la monter très haute, quoi. Je vais pas pouvoir la monter très haute. Ça, là, elle me sert à quoi? À rien. Elle a mal proc. Celle-là, elle a mal proc et je m'en servirai pas, donc autant que ça dégage. Voilà. 121 de focus, ça devrait être pas mal. Sachant que je peux gratter encore quelques points de focus. Oh, y a pas de souci, hein, c'est normal, ça arrive, hein, tu sais, des fois que ça décroche, machin. Ça arrive, ça arrive.
On n'y peut rien de ça, tu sais, c'est... Ah mais ça c'est normal hein. Après il faut arriver à choper les bons. Tu peux rien. Hein. Et l'auto-attaque de Brand elle a changé. Putain. J'ai pas vu que l'auto-attaque de Brand elle a changé. Alors que je lise mieux le patch moi hein, la prochaine fois. Je crois qu'ils ont amélioré les auto-attaques de certains héros. Le problème, tu vois par exemple là, Chichi, c'est que CC. Ben CC, je peux pas la taunt ce tour-là. J'hésite à auto. Et jouer au prochain tour en fait. Genre ce tour-là, j'essaie de tanker. Et prochain tour, j'essaie de taunt. Je pense que ça peut le faire en vrai. Sachant qu'ils ont que le S2 ce tour-là. Que lui, il va me faire un peu de dégâts lui aussi. Mais après, Brand, il va pouvoir cleanse. Ou je stun la Tia ce tour-là pour pas prendre le gel. Ouais. Non, je vais juste auto là. Je vais juste auto là. Et on va voir si ça marche ce que je veux faire. Ah oui, non, mais ils ont mis la quéquette à Brand là par contre. Je pensais pas qu'ils allaient mettre autant à Brand par contre. Mais Brand là, il meurt. Hein. Brand, il meurt là. Hein. Ah, il s'est fait découper en deux. Ouais. J'espère juste que le shield qu'il a suffisent pour faire tanker en fait. Moi j'ai envie de tuer Tia. Enfin, le mieux c'est que je tue CC, mais bon. Tia, elle casse les couilles aussi, et Garel aussi. Elle est encore taunt, donc ça va. Je vais essayer de tuer Garel quand même. Ok. Et là, s'il meurt, je suis mort. J'ai quand même taunt là. Stun là plutôt. Ulti. J'espère que son shield va tanker. C'est tout ce que j'espère. Bien, 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 bien. Bien, Brand, bien. La Tia, elle va taper sur santé ça. L'autre, elle joue pas. Et là, faut que j'arrive à la tuer ou à la stun. Bien. Là, je vais prendre le gel de l'autre. Là, je vais prendre le gel, ça va me faire mal. Dodger le stun. Oh putain. Ça me fout le seum là. Ça me fout le seum. Et ton passif, Ciara, ton passif, putain, elle va s'attacher. Ah, ça s'est joué à rien, ça s'est joué à rien.
Mais ça peut passer comme ça. Et lui, lui, il faudrait peut-être que je lui mette des HP en plus en vrai, au lieu de lui mettre des focus en plus. Je vais lui mettre comme ça, HP focus. Voilà, je vais lui faire gagner 4000 HP. Et santé ça. Santé ça en guard en vrai, elle est bien. Hein. Là, je le sens bien là. Surtout que ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Le Garay, il a pas joué. Et l'autre, elle était quasiment morte. Hop, stun, taunt. Ou pas. Padada, padada, padada. Mais de jouer en T2, c'est mieux. On va continuer à jouer en T2 de toute façon. Allez, hop, on va faire ça et on va tuer là. Là, on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Juste mettre deux autos. Tanker. Fait chier, il tape sur Urion aussi. Là. Ok. Toi, ça plus ça. Un taunt 2 tours sur Tia, mais un seul tour sur les autres. Par contre, on en parle de mon Brumar qui joue en 4 là. Un peu chiant. L'autre, il s'est cleanse la gueule. Il s'est cleanse lui ou quoi? Voilà, je vais être obligé d'ulti. Pour tuer. Ah oh, putain, je l'ai pas tué. Ça, 56 HP. C'est se foutre de la gueule du monde quand même. Hein. C'est quand même se foutre de la gueule du monde, 156 HP. Hein. Ouais, on perd Brumar, ça c'était sûr. Putain. Là, je suis obligé. Trente pour cent de chance de stun. 30% de chance de stun. Pas de stun. Et l'autre, elle va me geler. Par contre, pourquoi mon Brumar est si lent? Elle va geler les deux, c'est ça? Putain.
Est-ce que j'aurais pas fait la connerie de mon Brumard et je l'ai pas mis en speed? Ou c'est à cause du fait qu'il ait pris le slow de l'autre folle là? Ouais, 168, hein. C'est dommage. Franchement, si Garel était mort, je pense que j'aurais pu passer. Mais 168 HP. Et 168 HP, ça me met la douille. Allez-y, hein, tapez tout sur Urion, je vous dirai rien. Hein. Faut dire les mobs à la con, des fois. Et allez, tout dans la gueule d'Urion. C'est gratuit. Voilà, là il a pris un slow déjà. 28 slow. Par contre, là, il y a des tonnes de tours. Sauf sur Garel. Mais regarde, l'autre con, il fait que... Putain, mais... Voilà, et l'autre, il tue. Putain, mais j'en ai marre. L'autre, il se clean, il joue 20 fois. Putain, les persos A6 dans la tour, c'est horrible. Garel, il est horrible. Il gagne un tour de plus. Il se cleanse, il tabasse. Je vais arrêter de monter son Asura, hein. Je vais aller commencer à monter à taper la Tia. Hein. Ou l'autre, la CC. Hein. Au pire, je commence à taper sur la CC. Hein. C'est ce qu'il disait sur la mise à jour du jeu déjà, les gens. Ouais, c'est juste des effets. Ouais, pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose, pas grand-chose. Le taunt de Brand qui passe jamais. Heureusement qu'il y a 50% de chance d'appliquer un taunt. Allez, on fait pareil. On met deux autos sur CC. Et en vrai, j'hésite quand même à S3 Brand tout de suite. Comme ça, je gagne le burst damage. Ça dure deux tours. Non, on va le garder. Allez, on encaisse comme d'habitude. On serre les fesses, on serre les dents, on serre tout ce qu'on peut. On va commencer à taper la Tia. Voilà. Parce que c'est celle qui me saoule le plus. Break def. Taunt. Taunt tour de 2. Bref. Il n'y a que Garel sur 2 tours, il reste sur 1.
Est-ce que j'ai le stun de Sentia là? Oui. Donc toi tu dégages. Oh, il a un buff dev de l'espace. Tac. Normalement là ça le tue. Bah, ça le tue pas, hein, parce que de toute façon ce jeu a décidé de me la mettre. Je vais stun ici. Cleans. Sentia à l'instant. Voilà. Donc toi tu me gèleras pas. Garrel est taunt. Mais vu qu'il va gagner de la rage, il va activer son Asura de merde. Il va proc et il va tuer un de mes persos. Et tout ça parce qu'il a gagné un bonus défense. Random de CC. C'est dingue. Et là, je vais prendre le gel et je vais mourir. Voilà. Il est bien ce jeu. CC qui est auto à 4000. Tout va bien. Tain, juste parce que CC a mis un buff def. Tu sais pas pourquoi, mais elle a mis le buff def sur Garel. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Sinon, je tente dès le début, hein. Je sais pas. Le problème, c'est le buff de def qu'ils ont. Ah ouais, je pense pas que ma strat soit mauvaise, hein, mais... Ça ne veut pas marcher, quoi. Ça ne veut pas marcher. Non, je pense que c'est bien ça. Le problème, c'est ça, regardez, tu vois. C'est ça. Ça, c'est censé être aléatoire. Ça le met tout le temps sur Brand. Brand a tout le temps cet effet négatif sur lui. Voilà, là, il y a le buff qui a été mis sur CC. Là, on est bien. Là, je vais mettre auto. On va mettre ça. Taunt. Maintenant qu'il a pas de buff def, il devrait mourir l'autre con là. De Garel. Et l'autre, elle est taunt 2 tours. Voilà, ça dégage. Je pense que moi je vais juste faire ça. Voilà. Je vais faire ça. Là, elle est taunt, donc elle, on va la stun. CC ne peut pas jouer. Au jeu tu t'y as là, de toute façon. Et l'autre, elle a encore pris un slow. Et Tia meurt pas. Et là, elle va faire quoi, Tia? Elle va me S3 parce qu'elle a pris un shield de je sais pas d'où. Comprends pas. C'est encore le shield de CC, ça, tu vas me dire?
Je vais me faire un V1 par CC. C'est ça le délire? Je vais me faire un V1 par CC. Allez, mes stuns là, Hurion. Je vais vraiment me faire un V1 par CC là. Putain, la merde que c'est! J'en ai marre! Ouais, Break Def, il passera jamais. Ça fait pas de dégâts. Hp quoi. Les gros dégâts de Syrah. Allez Hurion, stun là quoi. Voilà, Syrah est morte et Hurion va mourir juste derrière. Parce qu'il va pas la stun. Putain, j'en ai marre. Me faire 1v1 par une putain de CC quoi. C'est abusé. Abusé. On va y arriver, hein. Là, ça passe à rien. Je vais tester d'une autre manière, c'est-à-dire que le break def de CC, j'en ai rien à foutre. Et je vais essayer d'y aller cash bourrin, et puis on verra bien. De toute façon, j'ai pas trop le choix en vrai. Yo Shizni, yo. Bah de rien mon bro, de rien. Alors, tac. Normalement il meurt lui. Voilà. Parfait, parfait. Est-ce que j'ai le stun? Oui. Eux, ils sont encore taunt. On va juste faire ça. Eux, ils vont taper sur santé ça. On va assurer ça. En plus, elle est taunt. On va stun. On va aller sur la Tia. Par contre, elle a plus le break def, mais. Mais elle est taunt, donc ça devrait aller. Syrah 1, j'ai deux popodecks, du coup j'attends la pierre légendaire du Foudi, ainsi j'ai une nouvelle popodeck de l'arène dans quelques jours. Nice! Plutôt beau gosse ça. Allez, allez mon Brando, taunt! Nice mon Brando! C'est ça qu'on veut! On veut péter les genoux de CC là! On n'a pas le même band. Écoute, je viens de me faire 1v1 par CC. Alors, j'ai le droit de féliciter mon bando. Là là. En vrai, faut que je tente le taunt.
En fait, je me dis que si je taunte pas là, je peux peut-être le tuer. Parce qu'il a un BDF, il a que 5000 HP. Je me dis que si elle va sur lui, je peux quand même le flinguer. Si elle le heal pas de 1 milliard d'HP. Tu vois? Oh la strat! 300 IQ quoi. Allez, ça dégage, c'est bon. Là, elle m'aurait bien énervé, elle. Allez, taunt en plus. Allez, hop. Elle a pas joué. Elle a rien fait, la CC. Ah. Je déteste les CC. Je déteste les CC. Foutu CC. Félas. Y a quoi là-dessus? Poison. Là-dessus, y a poison. C'est tout. Y a pas de bataille. Là-dessus, je réfléchis pas. J'y vais en poison. Pim, 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 pim. Hop. Et ici, elle avait sûrement une armure focus, elle. Ouais, ça doit être ça. Je suis pas sûr qu'elle était comme ça, ma Sentis. Attends, elle a 5 items. Non, non, ça fait trop là. Ça fait trop là. 5 items comme ça sert à rien. Hein. Je vais prendre ça. Hein. Bah non, ça c'est moins bon. Je sais plus comment étaient mes persos. Au secours. Voyez l'avantage que ce serait, les gars, d'avoir une armoirie, quelque chose, pour sauvegarder les guerres, hein? Bah, ça éviterait de faire cette merde-là que je suis en train de faire. Ouais, lui, on s'en fout, en fait. Je suis sûr qu'il avait ça, hein? Lui, il avait ça 100%, hein? Ça on l'enlève, on va mettre ça et ça je pense. Du coup il manque un stuff là. Et on va lui mettre quand même du focus. Voilà. 113. On va sauvegarder cette équipe. On va enlever celle-là. Celle-là c'est bon, celle-là aussi, et celle-là aussi. Du coup. Normalement, on est en route pour la finir aussi, Shinji. Normalement. Et demain, il y aura sûrement un live pour découvrir l'event de Vera. De ce que j'ai vu sur le Discord. Pour aller démonter Vera ou gagner Vera, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont prévu. Et si ça vous intéresse, il y a mon Discord qui est créé, les gars. Il y a une Quitas qui a bossé dessus, donc si vous voulez, c'est point d'exclamation Discord et vous pouvez le rejoindre. Pour l'instant, en tout cas, il y a le Discord qui est fait. On fera le reste par la suite. Ah, j'aurais dû mettre Mitasia par contre, je pense. Tu vois, j'ai mis BH par réflexe. Mais je pense que j'aurais dû mettre Mitasia. Ok, transfère-les sur le bon. Non, sur le mauvais. Si vous jouez la même compo que moi, les gars, jouez plus une Mitasia à la place de votre Blackhorn. C'est largement meilleur. Vraiment largement meilleur. Bon, elle est morte. Tac, on va aller sur lui.
Ouais, mais elle est solide, hein. Elle est solide. Après, là, tu vois, c'est pas réflexe que j'ai mis. Que j'ai mis Black Horn. Mais si je perds, ce sera Mitasiadif, je pense. Ah, il y a le shield, fait chier. Tac. Après, je pense pas que ça me tue. Faut que je tue Q-Bec first. En tuant Q-Bec first, ça évitera qu'il joue à peu près 1000 fois. Le 84, j'en ai tellement chié, je sais même pas c'est quoi le 84. C'est celui-là? Pas celui-là, j'ai confondu avec un autre. Ah. J'en ai tellement chié sur beaucoup d'étages. Ouais, je confirme. Je confirme complètement là. Putain, regarde-moi ça, il joue 40 fois, quoi, le personnage. Au moins il... Oh là là, il a full résist, mais non, t'as pas le droit de faire ça. Moi je vous dis que c'est Mitasiadif, les gars, l'étage. Bon, après cette VTH, elle est facile. No joke, je trouve que cette VTH est vraiment facile. Par rapport aux autres qu'on a eu, celle-là c'est l'occasion pour que tous les joueurs la fassent. Hein. Bon. L'autre il est pas mort, mais il va pas tarder quoi. Ah, moi ça, ce trou du cul, il joue 40 fois là. Donne-moi ça là. Puis... C'est bon, il est mort. Mais bon, Gangelo devrait pas tarder à mourir aussi quoi. Pam pam pam. Padalam, pam pam pam. Je pense que je vais perdre Akrin et Gangelo. Et je vais pas être bien. Lui, faut qu'il meure vite. Lui, faut qu'il arrête de jouer là. Merci, casse-toi. Maintenant, on va essayer de tuer Valérie. Non, elle veut pas. Ok. Elle veut toujours pas. Allez, vas-y. Heureusement que j'ai 130% de focus. Putain, c'est affreux. Affreux. 130% de focus et t'arrives à chier quoi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, hein, l'amitié asiatique. Hein. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Hein. Tu vas voir. Hein. Il va me rester que Black Horn de vous. C'est mité asiatique 100%. Parce que bien sûr, les ennemis, tu vois, ils sont feu, ils tapent sur de l'eau. Hein. C'est des génies. Hein. Oh bah, elle est morte, hein. Tu veux que je fasse quoi, là? Putain. Ça me casse les couilles. Mais t'es Asiadif tous les jours. Hein. Et ça dégage aussi. Je préfère jouer comme ça. Si je cherche HP, ça va pas le faire. Hein. Les gars, je suis un génie. Hein. Y'a pas HP def pour ça. Sur qui ça? Ah, le jeu! Y'a pas assez d'HP là. Allez, ok quoi.
Allez. Là, c'est gratuit, c'est autoroute. Du coup, t'es passé avec la Cramax Team, Shinzi, je pense? Ça m'étonnerait qu'il soit passé autrement, je pense que t'es resté sur le focus de la team de Cramax. Vu qu'elle passe un peu partout. Surtout qu'il n'y a pas de debuffer en face, je crois. Donc mes persos, ils vont se régénérer naturellement des HP grâce à Mitasia. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de debuffer. Faut que je prenne l'habitude de jouer Mitasia maintenant qu'elle est à 2. Vraiment, hein. C'est une belle connerie de pas la jouer une fois que tu l'as à 2, celle-là. Hein. Et tu vois, par exemple, je pense que sur du Tulpa, tu mets genre Mitasia Garel, et Garel en curse, je suis sûr que tu auto avec les deux. Parce que Garel va se régénérer des HP à chaque fois qu'il va taper, tu vois. Et via Mitasia, il va récupérer encore plus d'HP. Donc le combo il est complètement débile. Regarde, là je finis le combat full HP, j'ai rien fait quoi. J'ai mis que des auto-attaques. A savoir que le passif de Mitasia, les gars, il marche dès que votre perso a un effet positif sur la tête. Et comme vous en avez un tout le temps. Ah merde, il y a le shield à mettre. Okay. Ça va trop vite en fait, ça va trop vite. Est-ce que je tue Kubeg en vrai? Ouais, je tue Kubeg. Peux aller sur Kubeg. Malheureusement, ouais, c'est Mitasia qui va prendre le focus, quoi. Et plus Gangelo qui va le prendre, c'est Mitasia qui va le prendre. Je vais faire quoi? S'il te plaît. Putain, que un seul en plus, quoi. On va enlever le break, voilà. On va remettre un poison. Donc là, il va perdre 24%. Tac, plus 12. Vais essayer de transférer ces poisons-là sur l'autre. Il a full résist, mais c'est quoi cette connerie? Le transfert, si tu résistes une fois, il a résiste à tout. C'est pas normal. Pas normal. Bon, elle va essayer de mourir là, ça serait bien. Et elle tape sur quoi? Ok. Bon, je vais régénérer ma vie. Là, tu joues 20 fois, voilà. Voilà ce que je voulais pas, c'est que le perso joue 20 fois. Et comme il est en train de full résist, à chaque fois que Senti, ça fait quelque chose, ça devient chiant à la fin. Non, il meurt avec les dots là. Oh, il ne va pas mourir quoi. Il va jouer 20 fois sans. Ah si, c'est bon, il meurt. Il meurt, il meurt. Poison.
poison. Ok, elle est morte. On va remettre du poison sur tout le monde. Valérie est morte. Normalement, c'est win, mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que... Ok, là je suis bien. Là c'est bon, c'est win. Là le petit va mourir de toute façon. Tac. Tac. Là, Elson est mort de toute façon. Voilà. Et on avance. Voilà, Mitazadif, les gars, je vous l'avais dit. Hein. C'était sûr, hein. C'était sûr que c'était Mitazadif. Tous les jours c'était Mitazadif de toute façon. Bon, on en est où? 85. Canour céleste et d'autres trucs. Ouais, ça se poison ça. Hein. Ça se poison. Parce que Canour Céleste, il va mettre le... l'invincibilité, mais c'est un tour, ça va. Hein. En vrai, Canour Céleste, ça met l'immunité, mais après, ça fait rien. Hop, on va mettre des autos, on va essayer de patienter le combat pour que tout le monde ait le shield. Ce sera mieux, plus sécur. Ah oui, mais c'est les petits qui se mettent invulnérables, c'est vrai. Je les avais oubliés, eux. Ils font vraiment pas de dégâts en vrai, hein, quand ils réfléchissent. Tu joues tank, tu prends pas de dégâts. Ça me rappelle un peu Summoner War, les gars, quand même. La tour où vous jouez au début en full dot, full tank. Pour passer les premières TOA. Ouais, ça date d'il y a longtemps, ça, bien sûr. Maintenant, à mon avis, vous y allez, vous l'ouvrez en deux, le truc, mais... Ah, il s'est remis invincible.
Hop, ça dégage. 6 rounds, c'était déjà trop pour cet étage. Celui-là, faudrait que je le fasse beaucoup plus vite d'étage. Genre 4-5 rounds max. Ok, il y a plein de poisons là. Putain, les dégâts d'Akrin qu'il prend, genre. C'est ouf, les petites merdes que met Vorace et Goras là. On va mettre poison là. On va transférer. Ouais, sur lui. Ok, alors lui il est mort. Lui il va mourir. Voilà. On est déjà à 3 stacks. On va soigner un coup le Akrin. On va mettre un shield sur elle. Pas sur, ouais, sur elle. Ah putain, je pensais pas que Akrin allait tuer là-dessus. C'est un peu my bad là. Du coup, je perds 2 rounds pour rien quoi. Ouais, je perds 2 rounds pour pas grand chose. Là, il est mort, quoi. Bon, lisons Canours. Ok, faut que je m'occupe de Canours first alors. Faut que je m'occupe de Canours first. Parce que dès que Kanour se joue, il enlève un effet négatif. Et l'autre il fait que counter derrière, il est relou. Parce que là il va ult, donc il va taunt. Ah non, il va se mettre invincibilité, c'est vrai. Da-da-da-da-da. Donc là ça sert à rien. Enfin, si mettre un poison en plus quoi, c'est tout. Gangelo va enlever l'immunité. Là, Kanours, il va prendre des dégâts. Et rebelote, on y repart. C'est pas mal.
Le stade d'un crin, il fait pas plaisir là. Très bien ça, très très bien ça. Hop, on va transférer les poisons. J'en ai pris que deux. En vrai, j'ai envie de le tuer maintenant. Voilà, au moins là, je suis sûr et certain qu'il est mort et enterré. Là, il est mort et enterré, le canours. Maintenant, on va s'occuper des autres relous là. Et surtout du Swordman, parce qu'il commence à me saouler le Hugues là. Voilà, ça dégage. Maintenant, on va aller sur Hugues. Parce que Hugues, il me casse les bonbons depuis tout à l'heure. Le truc qui counter tout le temps, genre il s'arrête jamais. Ma vie, c'est de counter et de casser les couilles aux gens. Ça va que Mythasia soigne bien quand même. Tac, ouais, c'est free, hein, c'est bon. Tac. Tac. Dédoublement de poison. Ah, il est mort normalement. Voilà. Maintenant, on met auto. On cible le premier arbre en bas. Et comme ça, je peux aller faire une pause bio rapide. Je reviens, les gars. Voilà, on va se finir ça tranquillement. Est-ce que je peux transférer mes poisons là? Malheureusement. Je vais mettre ça en auto et je vais essayer de faire un autre truc à côté. Tac. C'est pas ça que je voulais faire. Ça. C'est pas ça non plus que je veux faire.
Pas ça non plus que je veux faire. Et voilà, ma connexion qui merde. Ça m'aurait étonné, ça, tu vois. Donc là, j'ai la connexion qui a sauté, je ne sais pas pourquoi, quoi. C'est juste des génies, hein, sur ma connexion. Dark Orac et compagnie, ça se poisonne tous les jours. Par contre, si je laisse jouer le jeu, il va faire que de la merde. Pourquoi il n'y a qu'un poison sur les mobs, hein? Attends, est-ce qu'ils ont mal joué? Ouais, ils ont mal joué, c'est bien ce que je pensais. Ils ont fait jouer deux fois Gangelo en fait, ça sert à rien, c'est de la merde. Putain, je suis en train de prendre tarif moi déjà là. Hop, on va se soigner là. On va tuer lui parce que c'est une petite saloperie. On va doter un autre. Il est mort. Il est mort. Si. Bon, il y a 3 Dark, mais ça devrait le faire, je pense. Dark Orac est chiant, mais il va pas être en stun comme en arène. Il va être. Il va juste être chiant. Voilà, c'est tout. Et après, Abaddon et Azgul. Voilà, c'est autre chose, quoi, mais. Mais bon, c'est du dark. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. En vrai, j'ai déjà envie de remettre des poisons sur la tronche à... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais remettre des poisons sur Dark Orac. Parce que là, il va déjà prendre 30%. Voilà. Là, je lui remets des poisons. Là, je vais dédoubler les poisons chez quelqu'un. Voilà. Là, il y en a déjà dans 2 tours, ils sont morts, quoi. Dark Orac et le mec du bas, là. Je crois que c'est Azgul ou un truc comme ça qui s'appelle. Déjà, eux, vous pouvez les considérer comme morts. Moi, je vais régénérer ma team. Dark Orac, là, il va prendre 30... beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts. On va finir de tuer Azgul, parce que Dark Orac est mort, de toute façon. Ah, Azgul est mort aussi. Dark Orac est mort aussi. Il n'y a plus qu'à terminer le combat. Vraiment, ce combat, c'est de la routine. Franchement, c'est de la routine, les gars. Il y a absolument rien de compliqué dans ce combat. Alors, on va refaire du poison là. J'aurais bien aimé qu'il meure pas là, le petit Abaddon. Parfait.
Ça c'est la tech les gars, s'il meurt pas là, ça serait parfait. Parfait. On met poison là. Et là, le combat il est fini. Avec tous les poisons qu'elle a sur la tronche là, t'es morte. Hein. Hop là. Et hop là. Facile ce jeu. Enfin, je dis ça, je vais me faire karma dans pas longtemps. C'est obligé que je me fasse karma là. Non, ça va, ça c'est facile aussi. Faut juste. Ouais, faut que je vois. Et tu gèles. Genre tour 1, je la dote. Tour 2, je la stun. Tour 3, je la tue. Ouais, on va faire ça. Tour 1, elle prend 3. Tour 2, elle prend 4 plus double. Plus stun. Tour 3, elle est morte. Hein. Ouais, on va faire ça. Tour 1, je vais juste faire auto plus auto sur Tia. Pas d'ailleurs. Bon, on va enlever le break def au cas où. Pam, 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 pam. Tac. Le vert est mort, le bleu quasi. Ah, le bleu est mort. Hein. Mais il sera mort au prochain tour, quoi. Hop, on va mettre une auto là pour soigner. Tac, toi t'es mort. Est-ce que je peux transférer le poison? Non, dommage. Je pense qu'on va se la finir ce soir, les gars. On va se la finir ce soir. Ok. Si je touche lui. Non, lui il se loue pas. Lui il sert à rien. Là je voudrais mettre un no positif effect, mais on s'en fout. En vrai, on va dot tout le monde. On va dot tout le monde. On va faire ça en plus. Là, le but, c'est de faire rejouer. Ouais, on va la faire rejouer. On va dédoubler ce Tia. Donc là, elle passe à 6 ou 7. Même pas 4, c'est dommage. Ah oui, mais elle a augmenté un tour de jeu, c'est vrai. Elle a augmenté un tour. Ah, j'aurais dû stun. Non, ça va, Tia tape derrière. Il y a le slow de Tia qui est casse-couille là. Et allez, vas-y, t'as qu'à jouer 40 fois aussi, putain de perso de merde d'Erendil là. Sérieux. La prochaine fois, t'as qu'à jouer 78 fois, je te dirai rien aussi. Hein. Héros de merde quoi. Ok, 7. 7, elle meurt normalement. Je vous dis, la prochaine fois, il a qu'à jouer 40 fois, 48 fois. 7, 7, elle devrait mourir. Hein. Elle va me saouler, elle va me geler, mais elle devrait mourir. Parfait. Parfait, parfait. C'est ce que je voulais. Bon, ben, de toute façon, je vais perdre 110. Il va falloir que je la ressuscite dans quelques tours. Et sans déconner, je vous jure.
La prochaine fois, le perso, il a qu'à jouer 48 fois, genre. Je vais quand même récupérer les HP max, tant pis si si Eddie Chris me les enlève après. On va remettre des poisons. Hop, on va patienter. Vas-y, enlève-moi les trucs, je t'en prie. Bon, lui, il va mourir dans peu de temps. On va récupérer Santia. Lui, il est mort. Bon, avec... On va attaquer, on va attendre que Ulen se fasse sa merde là. Tac. On va s'occuper de l'autre con là maintenant. Toi t'arrêtes de jouer, tu me fais chier. Ah le vieux là il m'énerve. Papier des Chris là. Papy et Décris, il m'énerve. Allez, hop, on va l'avoir à l'usure. On va l'avoir à l'usure. Et moi, je vous le dis, hein, quand je joue à Eddie Chris, il fait pas ça. Hein. Bon, mon Eddie Chris, il se fait soulever, c'est tout ce qui se passe. Hein. Mais bon, c'est passé, même si ça râle, c'est pas grave, ça passe. Voilà, il va jouer, il va mourir. Voilà. Pas ça. Putain. Ça me rappelle un autre combat, ça. Ça me rappelle un autre combat, les gars, ça.
Ouais, non, faut que j'ai le maximum de focus en vrai. Hein. Je peux pas l'avoir en revival en focus. J'ai aucun item revival focus. Putain, en revival, il aurait été nickel. Hein. Bon, on va voir. Alors, on va stun ça. Yo JFX, merci pour ton raid. Yo yo yo. J'espère que ton raid s'est bien passé. Que ton raid, moi, que ton stream s'est bien passé. Je suis désolé. Je suis dans la tour, je suis à l'ouest là. Tac. Mon raid s'est bien passé. Ah, ça va, ça va. ça va, je me suis planté. Comment ça va? Putain, ça counter de ouf, ça m'énerve. Voilà, mon perso est déjà mort, quoi, tout va bien. Putain. Ça de pas vouloir jouer Nathalie aussi. C'est chiant qu'il counter à chaque fois. Ouais, il a que 30% de chance. Hein. Ça marche, ben, bonne soirée à toi et puis merci. Et puis à la prochaine. 6 tours de tonne, c'est chiant. Je stun là. Au pire, je peux faire ça, c'est pas grave. Je le récupérerai. Parce que vu que je buff pas T1, ça va. Est-ce que je peux en tuer un autre? Parfait. Allez, là. Voilà, ça se passe mieux. Déjà. Ça se passe mieux. Tac. Et là, en fait, je vais faire exactement comme j'ai fait sur l'autre combat. Sauf que lui... Ouais, ça va. Ça va, ça va. Et ça va. Ok. On va faire comme d'hab. On va faire deux autos ici. On va tanker. Ou essayer du moins. Ici, on va affaiblir quoi? Lui, je peux y arriver à le one tap avec mon autre perso. On va s'attaquer à lui alors. Tac tac. On va BDF. On va taunt.
Tonne un tour, tonne un tour, tonne deux tours. Le tonne deux tours est très bon par contre sur Aurak. C'est pas mal. Même si Aurak est mort là, de toute façon. Et Brumar est mort aussi parce que. On m'explique pourquoi Brumar est mort, les gars? Quelqu'un a vu? J'ai pas tilt, où est-ce qu'il est mort, le Brumar? Toi tu joues pas, toi tu joues pas. Et l'autre Mongol, là il va me silence. Putain. Ah, ça s'est pas joué à grand chose. Par contre, Brumar est mort de quoi, genre, sans déconner. Allez, hop, c'est mort. Brumar est mort de quoi, sérieusement? Oui, Brumar, ouais. Après, j'aurais eu un tonne de tours, ça aurait été pas mal aussi, je pense. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et vous connaissez la suite, les gars. Vous connaissez la suite. Elle a pas crit là? Là là là, mais ça se passe mal, ça se passe mal. Oh, je peux recommencer. Hein. Je peux recommencer. En vrai, c'est parce que j'avais fait S3, je crois. Je déteste les combats avec CC, vraiment, c'est. Eh, vas-y, tape sur ma Sierra, je te dirai rien. Et là, je vais prendre le counter. Est-ce que Brand va tanker avec ce qu'il a, sachant qu'il a un break def sur la tronche? On verra bien. What? Mais comment il a ult? Grande bonus turn, c'est à cause de ça, pute. C'est à cause de Joseph, l'abruti de service. Bon, tant pis, on va y aller à l'ancienne, on va taunter un et puis terminer, hein. C'est à cause de Joseph, l'abruti. Pour cent, c'est à cause de Joseph en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Bah, j'ai encore fait de la merde. Ah, mais c'est génial, je joue comme une merde aujourd'hui. C'est génial. Je fais que de la merde. Parce que là, Brumar va prendre deux attaques.
Je fais que de la merde. Aujourd'hui, c'est connerie sur connerie, hein. J'arrive sur le boss, je suis mort. C'est plus rapide. Vas-y, buff orac pour pas que je le tue, quoi. Vas-y, on va aller sur lui, hein, tant pis. Hein. Au moins, je subirai pas le silence du personnage. Voilà. Là, j'ai juste à taunt. Là. Bah, stun plutôt, pas à taunt. Et là, elle est silence, donc je peux rien faire. Putain. Allez, Ciara est morte. Lui donne des buffs, l'autre il va s'allier, voilà. Et là, Joseph, je peux plus le tomber. Putain. Combien d'HP Joseph? 3910. Bah, j'ai une petite idée comment jouer, mais... Sans buff à attaque... 3910... Et là, elle le régène, et là, c'est foutu. Et là, c'est foutu. Putain, ça s'est joué à rien. Cet étage va être chiant. On va retenter comme je voulais faire. Hein. On va voir si RNG Joseph a décidé de me la mettre ou pas. Voyons voir. Je sais pas sur qui il a joué Joseph.
2, 2, 1 et 1. Ok. Donc là, je tue Orak. Les deux sont toujours stun, donc on est plutôt pas mal. Tac. Pas de stun, rien. Est-ce que je risque le taunt en fait? C'est ça le problème. Est-ce que je risque le taunt? Je vais faire ça. Hop, immunité sur elle. Taunt peut-être? Oh là là. Ça j'aime. Le taunt qui passe bien. Mais est-ce que je peux tuer? Le problème, il est là. Pourquoi il a gagné 2600 HP random là? On m'explique? Le truc, il vient de gagner 400 HP là, tu sais pas pourquoi. Enfin. Ok, assez attaché à l'autre, c'est bien. Ouais, mais j'ai perdu. Ah bah, j'ai perdu tout le monde. Génial. Aura qui sert à rien. Je devrais le laisser de vivant, le Aurak. Et allez, les counter-attaques, regardez, 30% de chance ils ont, les gars, 30%! Je viens de prendre ultra tarif juste sur un 30%, quoi. C'est quand même dingue, hein. De chance, tu te fais violer, quoi. C'est abusé. C'est abusé, c'est abusé. Bah oui, vas-y, va tape sur elle, hein, je t'en prie. Hein. Façon, elle a plus d'HP, alors autant que tu la tues. Hein. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un a une strat, les gars? Parce que j'ai pas envie de m'énerver sur cet étage-là encore. Je ne sais pas du tout quoi faire en fait avec cet étage-là. Non, avec les bots, je peux pas, non. J'ai pas de bonnes bots et avoir le DPS derrière, tu vois. Ouais, je sais bien, mais bon. Non, je n'ai pas les stuff speed en fait nécessaire. Et en poison, j'irai pas parce qu'il y a, Joseph et l'autre là. Ouais, je ferme le Jiminy, oui. Tu as quoi comme idée, mon bro? Vas-y, je t'écoute.
Utkalf. Tu parles de qui de Utkalf? En anglais, c'est qui? C'est Eddie Chris? Il y a zéro problème, il y a zéro problème. C'est juste que je n'ai pas le jeu en français en fait. Cette stun full concentre. Faudrait que je le remonte, Lady Chris, surtout. Parce que tu sais, j'ai enlevé des personnages. Tu vois? Je lui ai cassé les genoux. Faudrait juste que je le remonte en fait. Là n'est pas le souci de le remonter, bien sûr, hein. Attention. 50, ça suffit. Allons déjà voir le stuff. Voir ce que j'ai en cette stun. Rebelle. Allez. 7 focus. À la limite, celle-là, ça peut aller. Après, est-ce que tu mettrais une amulette en focus? Pour moi, oui. Mais je pense que si tu arrives à sortir un HP sub-focus, ce serait mieux, quoi. On va dire. Ah, bah, de toute façon, j'en ai pas en amulette. Bon, moi, ça règle le problème. Mini 110, ouais, ça se trouve, ça. Avec de la speed. Hein. Déjà, tu vois, je pourrais avoir ça. Ça mal proc, je suis d'accord avec toi. Mais bon, on peut pas avoir l'argent du beurre et compagnie, quoi. Hein, le beurre et l'argent du beurre, quoi. Admettons qu'on mette pas ça. Osef, il va dispel et jouer 3 ou 4 fois si t'as un peu de chance chaque tour. Ouais. Alors, moi et ma chance. Celle-là, elle est très bien. Et celle-là, je voulais l'essayer aussi, tu vois. Ça, c'est des items que j'ai mis de côté, que j'ai pas encore monté. Mais il y a moyen que ça passe, quoi. Admettons qu'il soit avec ça. Est-ce que je peux monter les bottes? À 15. HP flat. Bon, tant pis. On va mettre au moins ça à 12, histoire d'avoir des procs à 12. En focus, ce serait parfait. Quand le jeu a décidé de te chier dessus. Hein? Est-ce que tu connais ça? Putain, j'ai pas de matos pour casque, quoi. C'est quoi ça? Ouais, non, ça je garde. Ça, j'en ai pas spécialement besoin, mais j'ai pas grand-chose. Ouais, ça, je m'en fous en vrai. Il a mal proc. Du violet, ça dégage. Ok. On rattrape les conneries. Tac. On va mettre ça en 12 aussi. Pas de chance. Donc là, on est à 50%. Si je lui mets ça. Et potentiellement ça, tu seras à 123, tu vois. Là, lui, il serait à 123. Ensuite, il faut que je fasse ça. Attends, 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 il n'a pas les glyphes, il a pas les glyphes, mon gros. Attends, attends. Avec les glyphes, il y sera. Normalement. Parce que vu que je l'ai. Comment ça s'appelle là déjà? Les resets, hein, tout simplement. On va tout lui mettre. Ouais, mais s'il joue pas. S'il joue pas.
Là, il y a de l'attaque, et là, il y a quoi? Résistance et HP, on s'en fout. Il faudrait que j'aille le skill up un peu, quoi. Par contre. Ouais, le skill up, il va être important quand même, hein, en vrai. Surtout pour ça, hein. Pas besoin de skill? Ok. Bon, niveau 50 par contre, hein. Même si tu veux pas que je le skill up, au moins... Parce qu'après je te dis, hein, je peux modifier mes gears pour que... Comment ça s'appelle? Que mes DPS soient à 160 de plus, mais le problème ça va être le crit, tu vois. Le problème va être le crit chez moi, c'est obligé. Ils seront jamais à 100 de TC. Après, s'il faut miser sur de la chance, on verra bien. Yo Fabio, comment tu vas, bro? On va lui remettre les assassins quand même aussi. Moi, au début j'étais à 90 TC, ça rajoute un peu de RNG. Il n'a pas assez de la RNG. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oh, pourquoi il est lock lui là? Pourquoi c'était écrit ces locks là? Par contre, qu'est-ce que tu joues à côté? Parce qu'on est d'accord qu'on joue plus santé salunaire du coup. Bon, il a pas d'HP par contre, mais bon. S'ils prennent des stuns à tous les tours. Bah, j'ai pas Valérie. Déjà, on peut oublier l'idée de Valérie. C'est pour ça que j'ai Hurion. Ma team, en gros, si on part du principe que je joue avec ta team, c'est ça. On est d'accord. Ok. Ici, il va lui manquer du focus. Ouais, attends. Je regarde parce que je crois que mes items, ils ont plus de focus. Si, focus. Ici, non. C'est ça, il me manque la vitesse ici. C'est bon, problème réglé. Problème réglé. Mais mes DPS, tu vas voir, hein, ils sont pas. Ils sont glace canon. Voilà quoi. Ça va être compliqué quoi. Je peux essayer hein, mais on va voir. Oui, c'est un light Hurion, ouais. Parce que tu vois, elle était comme ça. Du coup, elle one tap Brumar, elle one tap. Ah, c'est light, ouais, dans le sens, ouais, c'est light. Mon gros stuff, on va dire, il est sur elle, tu vois. Mais il manque de la speed, hein, clairement. Et en mettant des bots speed sur elle, je perds trop, tu vois. Je perds l'effet warrior plus 50% d'attaque et 100 attaque flat. Elle prend trop cher au niveau des stats.
Après, je peux essayer, comme j'ai dit, hein, je peux essayer de sortir des bottes. Des bottes speed, quoi. Bottes speed crit, quoi. Après, je me demande même si des fois il faut pas que je mette des anneaux attaque. Et pas des anneaux DCC. Tu vois, des fois je me pose la question sur. Sur si je devrais pas refaire le gear, quoi, des fois. C'est ça. Après, j'ai pas les chiffres, tu vois, sur l'équilibre, justement. Quel ratio d'attaque est bon pour quel ratio de. Voilà, elle est trop rapide. Ouais, mais voilà, elle est trop rapide. Va falloir que j'accélère Brumar. Faut vraiment qu'il sorte une un truc comme Summoner War Optimizer. D'ailleurs, je sais pas si tu jouais à Summoner War, mais sur Summoner War, il y avait un truc comme ça, ça s'appelle Summoner War Optimizer et c'était pas dégueu quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi, ouais. 23, 82. Il existe un opti sur Ace. Tu peux pas mettre de lien. T'en penses quoi de ça? C'est viable, je pense, hein. Faut juste que j'accélère Brumar un peu, mais. Mais c'est viable, hein. Non, bah non, 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 non. H, pour le moment, je mets plus les pieds là-bas, donc. J'arrive pas à trouver de team pour la faire tranquillement, tu vois. Parce qu'après la tour, je suis pas pressé de la finir tout de suite. Si je pouvais stab H, ça m'irait aussi, tu vois. Tu vois, si je pouvais stab H, je t'ai envoyé le lien Discord, ça marche. Ok, ça marche. T'as une team H ou pas? Bam, bam, padadada. Parce que la seule que je connais de tête, ça serait Natalia, Santis, Gangelo et Kanur Céleste. Alors, parce que H, il faudrait que je le farm en vrai. Bien sûr que j'ai Gangelo. Attends, je vais te montrer la box. Voilà, la box. Voilà, si t'as une compo. C'est quoi ta compo sans Gangelo? Ah, Nathalie Sierra, ouais. Bah, tu m'étonnes. Gangelo, Santi, Sacri, Nathalie, je dirais. Ou Idriss. Pour les waves. Et même Natalia, à mon avis, il faut du lourd au niveau du stuff. Alors, je suis en train de justement essayer de lui faire un stuff en guard à elle. Parce que au niveau guard, j'ai pas des choses non plus dingue dingue, mais. Tu vois, j'avais une petite amulette comme ça, c'est pas non plus un truc de malade, mais ça peut le faire. Celui-là, il était éclaté, celui-là aussi. Et j'avais ce casque-là, tu vois. Ce casque-là, s'il proc bien, il y a moyen d'en faire quelque chose derrière.
Putain, j'ai plus de matos! Putain. Bon, voyons voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ça, on va déjà le mettre. Là, c'est de la merde. Ça, j'en veux pas. HP attaque, j'en veux pas. Ça non plus. Ça, je garde. Non, mais là, faut que je farme de toute façon. Et on va voir 6. Là, le problème, ouais, c'est ça. Mais j'aimerais trouver une team H, ouais. Qui ne soit pas chiante à faire. Ouais, c'est moyen, c'est plus que moyen même. Hein. C'est de la merde. Hein. Tu peux dire les termes, t'inquiète. Ouais, faut juste que je trouve, hein. Le problème, il est là, quoi. Et je me dis que les gens, ils ont sûrement la Natalia en garde à chaque fois, hein. En vrai, hein. Tu penses? Sais pas. J'en sais rien du tout. Parce que regarde, franchement, j'attends juste qu'il sorte un nouveau portail. Hein. Dès qu'il y a un nouveau portail avec un perso, je vais lâcher l'invoque. Hein. C'est en construction, tu vois. Ça va arriver, ça va arriver. Mais pas encore. Donc les persos, je vais les avoir, c'est pas le problème. Alors. Ah non, pas toi. Et pour la bombe, je fais quoi d'ailleurs? Je fais quoi pour la bombe? Angelo BH26. Problème, c'est qu'ils sont pas en curse, hein. Il reste à. En fait, je me dis que ça peut y aller en full tank, mais. Ouais, pour les nains de jardin, ouais. Mais il faut que je mette Ciara en avarice alors. Ils ont combien d'HP, les nains? Et les lutins sur boss. On cherche à faire H, Rusta. Angelo, Brumar, Santis, Nathalie. Ouais, mais je crois que Brumar est dépendant de la speed ou je sais pas quoi là. Y a pas un truc avec le décalage. 4 tours ulti Brumar et l'autre. Ouais, ben là j'écoute, hein. Sinon, je vais devoir spammer du Jimini jusqu'à avoir un beau guard, hein, mais ça me fait un peu chier, quoi. Ouais, cette team, il me l'a dit, ouais. Mais c'est quoi les stats Rusta? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Parce que justement, si toi tu l'as et que tu dis la même team que Chris. Ou des Chris, je sais pas c'est quoi qu'il faut dire comme pseudo, mais quel stat il faut? Non, mais ça c'est pas le grave, le focus. Je parle plus par exemple niveau speed, niveau turnover, etc. Nathan Ward, c'est mort.
Nat, ça sera pas en guard. Enfin, elle sera en guard, mais il est dégueulasse mon guard, quoi. Pourquoi Nathalie en guard avec Brumard d'ailleurs? Pourquoi Nathalie en guard avec avec Brumard? T'as le passif naturel déjà. Pour les aides sur le boss. Quoi, c'est compté comme deux buffs? Ouais, donc c'est considéré comme trois buffs. Attends, avec le shield plus le buff attaque def, ça suffit pas? C'est chiant. Je joue pas Marie. Je ne joue pas du tout Marie. Ce ne sont pas des persos que j'aime jouer. Bon, admettons que qu'on soit comme ça. Brumard, faut juste qu'il soit tanky. Ça, je après vraiment la rapidité, je m'en fous du tout. C'est, je cherche juste à ce que ça passe à l'heure actuelle. Est-ce que Brand doit taper avant Nathalie? Et combien de speed si si je le fais? Parce que de toute façon, il y a Gangelo Santis qui vont taper en first, ça c'est sûr, mais soit je le mets en mode camion, soit je le mets en mode speed, quoi. Attends, je suis sur H. Yo Cramax, yo, je te dis mes stats, ça marche. Juste pour savoir la speed, on va dire. Comme ça, j'organise ma Nathalie aussi avec, quoi. Ça a été ta journée, Cravax? Vraiment, mes guards ils sont éclatés quoi. Mes guards sont moches. Celui-là il est ok mais sans plus quoi. Le reste de mes guards, il est moche. C'est horrible, mes gears. Ils sont horribles, mes gears. Logique. Défense pour 100 avec... Nat 149 et Brumar first. Et Nat en dernier. Bon, après, à mon avis, il faut que Brumar soit devant Nathalie, juste. Enfin, ça reste mon avis, mais.
Il faut combien pour jouer avant les ZAD? Le plus important, c'est ça, c'est de savoir à combien. Il faut combien pour jouer avant les ZAD, quoi. Est-ce qu'à 133, elle jouerait avant les ZAD, quoi? Cent quarante et quelques. Ça me fait chier, ça. Les Z, c'est 128. Ouais, mais les waves, c'est combien? Les waves en 127. Ouais, mais si elle tape derrière, c'est pas grave en vrai. On va essayer de la faire jouer en dernière en mode camion, mais mes dégâts quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gars. Je vais quand même la tenter en mode camion. Vas-y, dis-moi. Si elle tape après, elle va taper son jeu. Ouais. Et avec ça, elle one shot pas? Avec un Brumar qui lui met un 50% machin, etc. Ouais, ça je sais, de toute façon le but c'est de la jouer en mode camion, mais ça one shot pas, genre 4200-325. Je vais avoir le seum si ça one shot pas. De toute façon, on va essayer les gars. Elle ne le tuera pas tous. On va essayer. C'est pas grave. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Lui, on s'en fout, juste des HP, on est d'accord, hein. On s'en fout du reste. Il est pas à la portonne de toute façon. Faut juste qu'il joue entre Nathalie et. Et les autres là? En espérant que ça enlève pas de gear à quelqu'un, à Santis. Et niveau sort, les gars? Break Death Shield? Def Hill. Def Hill, Def Shield. Bon, tu sais quoi? On va faire des tests. Et avant tout, les gars, il faut cut des sorts, il faut cut quoi? Où est-ce qu'on laisse tout? Est-ce qu'on doit cut des sorts? Moi j'aurais dit
J'aurais dit Grangelo Cut, mais... J'aurais dit Grangelo Cut, en fait, pour qu'il mette des poisons à coup sûr tout le temps, tu vois. Genre en mode S1. Sentis, on peut la laisser parce qu'elle met du poison partout. Et puis voilà, genre en mode comme ça, tu vois. Genre lui, le S1, hop, ça on réactive, on enlève Gangelo. Après, c'est derrière moi, bien sûr, vous voyez pas, mais... Là, j'ai que de Gangelo. On va bien voir, les gars. Après, ça, c'est pas le 14, hein. Attention quand même, hein. Putain, ce qui prend Gangelo, genre. What the fuck? On en parle de ce qu'a pris mon Gangelo ou pas? Papadam, et là, Gangelo, il va jamais jusqu'à... Jusqu'au boss. Là, il va jamais jusqu'au boss, le truc. Il va mourir avant. Faut que je le mette en revival, peut-être. Oh, c'est pas simple, hein. Puis là, il a plus d'HP, mon Gangelo. Ouais, je pense que le revival, il va être nécessaire. Plus que nécessaire, même. Senti, ça l'a déjà, le revival. Ouais, déjà, je vais voir si je one-shot les petits, mais là, il n'y a pas le buff de Brand. Le problème, il est là, tu vois. Ça a été désorienté, en fait. Voilà, mais je tue. Je suis d'accord. Parce que là, Gangelo est mort comme une merde. Qu'est-ce qui est annoncé qui passe? Ouais, c'est des teams qui passent à coup sûr, on va dire. Marie, Bruma, Natalia, Sierra. Même avec William. Parce qu'après, si tu fais une compo lente, c'est chiant, ouais. Parce que je suis sûr que comme ça... Comme ça, je suis sûr qu'il passe tous les jours, tu vois. Mais c'est chiant. Ou sinon, il y a le mode... Comme ça. Elle a du stuff, lui a du stuff, il manque juste le stuff de Blackhorn et puis je peux y aller comme ça en fait. Sur qui ça? Est-ce qu'il est en revival lui? Non, lui il est juste en guard. C'est vrai que je l'avais mis en guard pour comment ça s'appelle? Pour Jiminy. Lui, il est en guard, c'est juste pour Jiminy, hein. Sinon, il est en revival de base. Et Santis, est-ce qu'elle a son stuff qui a bougé?
Non. T'as dit à combien de speed? Hein? Cent-trente-sept. Et le buff d'Akrin ne lui rajoute pas plus 1, on est d'accord. Enfin, maintenant que c'est. En fait, maintenant le buff d'Akrin, il lui rajoute plus 1, on est d'accord. Parce que maintenant c'est un buff enlevable. Ouais, j'ai mis crit, moi je suis débile. Ouais, maintenant on est d'accord. Est-ce que j'ai besoin du heal? Je pense pas. Ça, j'en ai plus besoin, je pense. Parce que avant, on pouvait pas l'enlever, donc c'est pas considéré comme un buff. Ah, on va voir. On va voir, les gars, si c'est lent, si c'est stable, si c'est viable. Parce que j'ai peur que les mobs fassent quand même très mal. Donc on verra bien. Mais si je peux stock HP et tanker, c'est nickel en fait. Hein. Parce que en théorie, là, j'ai la tankiness d'Akrin, j'ai le heal de BH, plus le dispel de BH. Un anti-shield et Sentis qui va pas spécialement mourir parce qu'elle est en revival. Il manque plus qu'à vérifier si ça passe sur les imps en fait. Hein. Sur les adds. Hein. Si sur les adds je prends pas trop cher non plus et que l'explosion de sa bombe me fasse pas trop mal, je suis tranquille. Après c'est le 13, va falloir que je vérifie le 14. Parce que là, encore une fois, je tue les imps en 13, mais c'est peut-être pas sûr qu'en 14 ça passe quoi. Après, si ça passe en 13, ça passe en 14 en théorie, mais. Juste Nathalie qui joue en dernière, quoi, à chaque fois. Et elle qui met pas de poison. Parce que. Elle a décidé pas de mettre de poison. C'est pas grave. On dira rien par rapport à elle. Ok, en tout cas, les imps, eux, ils ont pris tarif. Faudrait bloquer son Tia sur la 1, non? J'ai bien envie de bloquer Senti sur le S1. Parce que des fois, elle fait un S2 dégueulasse qui sert à rien. Je sais pas. Vas-y, on va se taire et on va laisser faire pour l'instant. Parce que là, elle a peut-être pas son S3, Nathalie. Hein. Tu vois? Nathalie avait pas son S3 là. Et je pense qu'il faut que je lock Sentis pour que le boss il se sacrifie de la HP et que le poison tue. Du temps que je pense, ben on verra bien. Hein. Bon, y a que Nathalie qui a pris tarif. Mais s'il y a du poison, ça devrait le faire hein, normalement. En vrai, y a que Nathalie qui meurt. Hein. Parce que là, il joue, il meurt. Hein. Ah, il joue, il meurt. Il n'y a pas Gangelo, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas Gangelo. J'avais oublié que les poisons faisaient que 3% et pas. Comment ça s'appelle? Et pas 6% avec Gangelo. Mais bon, là, il est mort. Ok. Du coup, j'ai pas le timer. Parce que c'est la première.
Attaque, focus. HP, focus. C'est ok, HP, focus en vrai. On va y aller encore une fois et je vais juste mettre. Et je la lock ou pas? Putain, je sais pas. Bah si, je la lock, hein. Je lock sans tir. Hein. Elle est lock là. Ok. Après, tu vois, Manatali, il lui manquerait que dalle de speed. Hein. En fait, il lui faut les mêmes stats avec juste un peu plus de speed. Mais je t'avouerai que c'est dur de trouver ça. Faudrait que je le trouve avec deux pièces raider en fait. Tu vois, deux pièces raider sur le perso, c'est nickel. Là, j'ai pris le tarif. Tu mets tête et torse avec les mêmes stats en crit damage et tout. Et je suis nickel. Et pour ça, il va falloir que je farme du H. J'ai pas le choix. De toute façon, là, on part sur une Nathalie morte. Hein. Il n'y aura pas trop de discussion là-dessus. Nathalie va mourir de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais, en plus, elle a même pas S3. Nathalie a même pas S3 là-dessus. Mais bon, là ça va. Après, même si c'est un long run, en vrai, Chris, est-ce qu'on s'en foutrait pas totalement que ce soit un long run? Voilà, Nathalie, elle est morte, mais... Ouais, non, mais ça fait des économies de diamants. Est-ce que tu connais l'économie de diamants? Parce que là, tu vois, Nathalie, enfin, le boss a pas explosé. Enfin, il a pas niqué sa barre d'HP. Enfin, là, oui, ça y est. Ouais, bah oui, bah je connais ça, ouais. J'ai connu ça aussi, ouais. Et franchement, je suis très heureux d'avoir Angelo maintenant. Un peu de DPS. Par contre, il compte jouer combien de fois là? On est d'accord que là, il a joué 28 fois quoi. Non, ça va passer, mais là, il y a trois poisons, il y a assez de poisons, mais. C'est abusé tout ce que je dois tanker quand même, hein. Eh ben putain. Ouais mais t'as vu tout ce que je dois tanker?
À plus, merci, bro. Et puis à la prochaine, peut-être. À moi ça, quoi. Ouais. Canours céleste. Sérieux, c'est quoi la team avec Canours céleste? Vais pas monter Marie quand même. Ah oui, lui il est en Gangelo à Green quoi. Et en plus cette team, je pense que je peux la jouer en... Voyons voir. Que je vérifie. Est-ce que j'ai besoin de changer beaucoup de stuff pour que ça aille là? Ah là, il est trop rapide. Il est trop rapide. Ouais, mais je veux pas de speed. Voilà, là c'est bien. Et normalement, j'ai même pas besoin de changer l'équipe. Normalement, ça passe. Ouais bah c'est bon hein. C'est bon les gars. Je pense qu'on va farmer et la tour je la casserai plus tard. La tour je la casserai plus tard. Demain il y aura l'event, voir ce qu'il y a dedans. On va se faire ça, les gars. Bon, sur ce, les gars, moi je veille pas trop tard ce soir. Je ferai un live demain pour l'event. En espérant que l'event soit solide. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils ont en tête, mais l'event de pirate là il m'intéresse. Et les skins, on verra bien s'ils sont disponibles demain ou pas aussi. Hein. Ah, on peut choper le skin de Blackhorn dans l'event, d'accord.
Donc écoutez les gars, moi je vais vous laisser là-dessus. Donc je vous remercie pour ce soir et puis je vous tiens au courant sur mon Discord si jamais ça vous intéresse. Le Discord est actuellement terminé. Mon propre Discord bien sûr, qui ne marche pas avec la bonne combinaison. Alors attendez, je modifie la commande. Tac. Tac. Non, ça va pas le faire. Voilà, donc rejoignez-moi sur le Discord si ça vous intéresse. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Passez une bonne soirée.